Bonsaï Iraki, je l'ai créé il y a environ 6 ans, peut-être même 7. Et j'ai commencé alors avec, au tout début avec Alexandre Escudero. Et puis chacun a choisi une voie différente parce que voilà, c'est comme ça. Et je suis parti tout seul. Donc ça fait en gros 5 ans que je suis tout seul. Ben, je suis tout jeune dans le métier. Ma spécialité dans les Yamadori, c'est surtout les Sainte-Lucie, les hêtres, les pins sylvestres. Après, je fais pas mal d'autres essences. Je suis arrivé, bon, il n'y en a jamais des grosses quantités. Des fois, ça peut être une ou deux pièces de temps en temps. Mais je suis remonté jusqu'à 17 espèces différentes. Je ne vends pas très souvent sur les expositions. Je dois faire une à deux expositions dans l'année. Ce n'est pas beaucoup, mais je reste dans mon coin un petit peu et, et j'essaye de faire plutôt venir les gens me voir. Bon, j'aime bien aussi sortir, mais faire voir aussi ce que je sais faire. Mais on va dire que je reste quand même plus souvent à la pépinière. Participer à l'événement du parc floral, ça me permet de me montrer, voilà, donc comme vu que je ne sors jamais, montrer sur Paris, parce que il y a des clients potentiels sur Paris. Et puis c'était, je pense que ça va être un très très bel événement. Et le challenge de venir au parc floral, ben ça m'a vraiment plu. Et voilà, donc et aujourd'hui, ben je suis là. Alors j'ai amené un petit peu, bon, j'ai amené deux trois pins, mais bon, j'ai pas sorti non plus les gros pins, mais j'ai du Yamadori, de Sainte-Lucie, j'en ai deux ou trois très très beaux que j'ai amené quand même. Mais après, le reste, c'est toujours, pour moi, c'est toujours beau. Moi, dans le Yamadori, j'essaye que, surtout sur les Sainte-Lucie, d'avoir une très belle écorce et qu'on puisse vraiment faire un bonsaï avec. C'est pas qu'un arbre banal. Non, il faut que l'arbre, quand je le prélève, il faut qu'il me parle. Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook Bonsaï Iraki. J'ai aussi un site internet Bonsaï Iraki et je fais pas non plus de vente dessus. C'est pas un site de vente, c'est pas un site commercial. Merci à vous.